chers petits amis, je vais vous lire l'histoire de Blanche-Neige et les sept nains. Vous pouvez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette faire tinter ses petites cloches, comme ceci. Et maintenant, commençons. Il y avait une fois une reine très belle qui brodait à sa fenêtre. « Comme je serais heureuse si j'avais une petite fille, » pensait-elle. Tout en rêvant, elle se piqua le doigt avec l'aiguille et trois gouttes de sang tombèrent sur la fine toile d'une blancheur de neige. « Qu'elle serait jolie, ma petite fille, si elle avait des lèvres rouges comme le sang, une peau blanche comme la neige et des cheveux noirs comme l'ébène. » dit-elle. Quelque temps plus tard, son vœu est exaucé. Elle a une petite fille qui comble tous ses souhaits. Aussi décide-t-elle de l'appeler Blanche-Neige. Cependant, la reine, très malade, meurt lorsque Blanche-Neige est encore une toute petite fille. Et le roi, son père, rempli de douleur, vit solitaire et triste pendant de longues années. Néanmoins, le roi se remarie et tout le royaume se réjouit de la bonne nouvelle. La nouvelle reine est très belle, mais, hélas, son cœur est dur et cruel. Elle est également orgueilleuse et passe des heures entières à se vêtir somptueusement, à brosser ses cheveux noirs, puis à s'admirer devant son miroir. Elle est tellement orgueilleuse qu'elle désire être toujours la plus belle femme du royaume. Parmi ses joyaux les plus précieux, la souveraine possède un miroir magique qu'elle consulte chaque jour. Oh, miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle. Si le miroir assure que c'est elle, la reine est de bonne humeur et tout va bien. Mais il arrive quelquefois qu'il désigne une autre personne. Alors, elle entre dans une colère terrible et donne des ordres pour faire disparaître sa rivale. Pendant ce temps, Blanche-Neige grandit et embellit de jour en jour, et sa gentillesse lui gagne l'affection de tous, sauf celle de la reine, qui est très jalouse. En effet, elle ne peut plus supporter de voir la jolie princesse, et la relègue parmi les servantes. Blanche-Neige quitte donc ses beaux vêtements, et porte des haillons comme les autres servantes, et comme elle, est contrainte aux tâches les plus dures. Comme une esclave, elle travaille du matin au soir, nettoyant les planchers du palais, lavant la vaisselle, cousant et reprisant les habits de la reine. Mais tout en travaillant, Blanche-Neige chante, et tous les oiseaux arrivent à tire-d'aile pour entendre sa jolie voix. « Elle va bientôt devenir laide, » pense la méchante reine. « D'ailleurs, qui peut la trouver jolie dans ses haillons, et avec des mains rendues rugueuses par le travail ?» Néanmoins, la reine va chaque jour vers son miroir et lui pose la même question. « Oh, miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle. » La méchante et orgueilleuse reine craint encore qu'un jour Blanche-Neige soit la plus belle du royaume. Tout en travaillant, Blanche-Neige rêve d'un prince charmant qui viendra un jour la chercher pour l'emmener dans son château, par-delà les nuages. Cependant, la reine est de plus en plus jalouse de Blanche-Neige, dont la beauté augmente de jour en jour. En effet, on ne se lasse pas d'admirer la beauté de Blanche-Neige. Enfin, arrive le moment tant redouté de la reine. Oh, miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle, demande-t-elle. Et le miroir répond. Ses lèvres sont rouges comme le sang, ses cheveux noirs comme la nuit, son teint est blanc comme la neige, elle se nomme Blanche-Neige. Furieuse, la reine fait mander son serviteur et lui dit « Conduis la princesse dans la forêt et rapporte-moi son cœur dans ce coffret. » Le serviteur consterné s'incline, il n'a pas le choix et doit obéir aux ordres de la reine. Le lendemain, Blanche-Neige et le serviteur s'en vont dans la forêt.
La princesse ignore le sort qui l'attend et avance en gambadant auprès du serviteur, s'arrêtant ici et là pour ramasser des violettes ou chanter une joyeuse chanson. Mais devant un tel spectacle, le serviteur désespéré se jette aux genoux de la princesse et lui dit « Princesse, je ne puis vous tuer, bien que ce soit un ordre de la reine. Fuyez au plus profond de la forêt et ne revenez jamais au château. » Seule, dans la forêt, Blanche-Neige tremble de frayeur, mais bientôt découvre autour d'elle tout le petit monde des bois, ses amis les bêtes, et dans un concert de gazouillis et de pépiments, elles la conduisent vers une nouvelle maison. Les animaux lui montrent une petite maison ravissante cachée dans les bois. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, Blanche-Neige ne voit personne, mais découvre une pièce tout en désordre. L'évier est rempli d'assiettes qui semblent n'avoir jamais été lavées et tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière. Sans doute, les enfants qui vivent là ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, dit Blanche-Neige. Voyons, nettoyons leur maison. Elle entre alors dans la maison suivie de tous ses amis et, avec leur aide, la nettoie rapidement. Puis, elle grimpe les escaliers et, fatiguée, s'étend sur les petits lits et s'endort. Tandis qu'elle sommeille, les sept petits hommes qui habitent la maison reviennent de leur travail en chantant. Ces petits hommes sont les sept nains, et lorsqu'ils pénètrent dans leur maison, ils s'aperçoivent que quelque chose a changé. Tout est propre. Les sept nains grimpent rapidement les escaliers et découvrent Blanche-Neige qui vient juste d'ouvrir les yeux. « Oh !» s'écrie-t-elle. « Je sais qui vous êtes. » Elle a en effet lu leur nom inscrit au pied de leur lit. « Vous êtes Hatchoum, joyeux, timide, grincheux, dormeur, prof et simplet. » Blanche-Neige raconte ensuite le complot de la méchante reine et tous insistent pour qu'elle reste avec eux. « Le dîner n'est pas tout à fait prêt, » poursuit-elle, heureuse d'avoir trouvé une maison. « Vous avez juste le temps de faire votre toilette. »« Nous laver ?» s'écrient les petits hommes. Ils ont même oublié la signification de ce mot, mais ils n'osent refuser à Blanche-Neige. Même Grincheux prend un bain. Les sept nains ont de plus en plus d'affection pour Blanche-Neige, qui est toujours agréable et gaie. Le lendemain matin, au lieu d'aller travailler à la mine, les sept nains décident de confectionner un lit magnifique pour Blanche-Neige. Mais ils ne travailleraient pas si joyeusement s'ils savaient ce qui se passe dans la forêt. La méchante reine sait que Blanche-Neige est en vie. Alors elle se déguise en vieille femme et se dirige vers la maison avec une pomme empoisonnée destinée à la jeune fille. Quand les nains sont partis ce matin, ils lui ont bien recommandé de rester dans la maison. « Prenez bien garde aux étrangers !» dit Grincheux au moment où Blanche-Neige lui dit au revoir en embrassant. Et Blanche-Neige promet d'être prudente. Un peu plus tard dans la journée, une vieille femme frappe à la porte. Hélas, Blanche-Neige ne peut résister à l'envie de croquer la magnifique pomme que lui offre cette femme. Elle tombe aussitôt sur le plancher. La méchante reine part précipitamment et, dans sa fuite, glisse au fond d'un précipice, disparaissant pour toujours. Mais cela ne rend pas la vie à Blanche-Neige. Les nains, plongés dans la douleur, fabriquent une couche d'or et de cristal sur laquelle ils déposent leur amie. Et nuit et jour, ils la veillent. Un jour, cependant, un prince magnifique pénètre dans la forêt et découvre Blanche-Neige. Charmé par sa beauté, il lui donne un baiser. Au même instant, Blanche-Neige ouvre les yeux. Les sept nains dansent alors fous de joie et le prince l'emporte dans son château.
par-delà les nuages. Ici s'achève l'histoire de Blanche-Neige et les sept nains. Et maintenant, nous allons écouter des chansons du film de Walt Disney. Hi-ho, hi-ho, pour chasser les ennuis, tout au long des jours et des nuits. Hi-ho, 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 pour faire un bon travail, dans la mine ou bien sur le rail. Hi-ho, 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 pour chasser les ennuis, tout au long des jours et des nuits. Hi-ho, 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 pour faire un bon travail, dans la mine ou bien sur le rail. Hi-ho, hi-ho. C'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux pour chasser les soucis, les tracas, les ennuis et boire tout sous un jour brillant. Suivez ce remède excellent, sifflez en travaillant pour vivre heureux, toujours content. Sifflez en travaillant, sifflez en travaillant, la 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 la, pour vivre heureux, toujours content. Sifflez en travaillant, sifflez en travaillant.